Pour votre frère, ça vous a mis un grand coup dans le cœur. Et vous dites, j'ai voulu le rejoindre. C'est parce que vous croyez à cet au-delà, par exemple ? Bah, j'y croyais pas trop avant qu'il nous fasse ce coup-là, mais j'ai jamais cru à rien. Mais là, depuis qu'il est plus là, j'y crois sans y croire, mais je me dis qu'il est pas forcément parti complètement. Mais il vient, des fois, il me parle, dans les rêves. Ouais, là, il me parle pas depuis longtemps, ils sont rien à faire de moi. C'est que ça va pour lui ? Bah, je suppose. C'est que ça va pour vous ? Peut-être. Non, des fois, il venait, ouais. Dans mes rêves, il va super bien, dans mes rêves. Ouais. Après, je pense que j'en sais pas. Hein. Ouais. J'aimerais bien savoir, mais je... C'est vrai que je me dis qu'il n'est pas complètement parti. Enfin, mais il y a des choses que vous faites pour lui ? Bah... Moi, je bois un coup pour lui, déjà. Non, mais déjà, ça lui fait plaisir. Voilà. Ceux qui boivent un coup avec moi. Non, j'y pense souvent, tout le temps. Oui, tout le temps. Mais c'est vrai que je sais que... Vous savez, un frère et sœur, c'est un truc... Même si je l'énervais ou quoi, mais bon, il m'acceptait comme j'étais. Hein, même si je fais des conneries, des fois... C'était chien et chat, tous les deux. Ah ouais. C'était l'engueulade. Bon, alors, engueulade avec le frère, engueulade avec le père. Vous savez, c'est pour ça que je suis le plus mauvais. Il est venu voir. Eh bien, figurez-vous qu'il est venu dimanche. Oui. Je ne le savais pas. Et il ne dit pas, il ne prévient pas. Non. Et du coup, je lui ai dit, j'étais bien méchant, enfin, je suis un peu peste. Hein. Je lui ai dit, non, t'es arrivé 5 ou 10 minutes avant la fin. Il me dit, mais je suis là depuis le début. Je fais, oh, bah, ça, je ne sais pas, hein, tu ne m'as pas dit. Parce qu'il a cette façon d'arriver. Il est arrivé une fois sur scène, vous n'avez pas aimé. Hein, pour le César. Non, mais il prévient. Il fait jamais. Comme ça, il ne fait prévient jamais. Non, parce que ça va être une émeute s'il prévient, non ? Bah, je crois que, ouais. Je ne sais pas. Mais en même temps, je le plains, vous savez, si c'est quelqu'un qui n'a pas tellement envie que ça, qu'on le reconnaisse, qu'on le brosse dans le sens du poil comme ça. Peut-être il en a eu envie un moment, mais là c'est lourd. Hein. Je sais qu'il est venu et il a fait des compliments. Après, vous savez, je ne sais pas. Pas plus, pas de téléphone pour non. Non, pas non, mais après je l'ai pas reçu. Il disparaît. Il vient, il voit et il dit, elle était pas mal, la petite a été pas mal. C'est bien, c'est bien, ça va marcher. C'est bien. C'est tout. C'est tout, ouais, c'est ce qui... Bon, bah quand même, ça fait... Hey, ouais, c'est sympa. Pierre est contente, non ? Ouais. Bon, et le reste de la famille, bien ? Ma mère, bien sûr, ma mère. Elle a dû venir 5 ou 6 ou 7 fois. En répétition aussi ? Ouais. Et puis alors, on se donne rendez-vous avec ma mère et toute ma famille, elle vient le 13 pour quand Guillaume nous a... Hein. Donc ils viennent tous au théâtre. Au théâtre ? Donc ce soir-là, quand même, vous allez pouvoir ne pas penser à lui. Ah bah attends, mais j'y pense tout le temps. Hein. Oui. J'y pense tout le temps. Ouais. Mais donc là, on sera là, ouais. Mais par exemple, juste, on arrête là-dessus. Il y a un moment, par exemple, au salut ? Ou avant d'entrer en scène ? Non. Je pense à lui des fois brutalement, comme ça, quand je viens de me tromper dans ma phrase ou j'ai mal réagi, tiens, donc je sors un peu de... Donc je dis, oh, Guillaume. Ouais, je pense à lui, mais maintenant, c'est un petit peu moins douloureux, comme ça.